Cette distribution de jouets à la veille de Noël a concerné les enfants des quartiers Tshibala, Panga et Luandjili Faubourg. Ce geste de générosité posé par Lys Poitipambou, membre du bureau politique du RDPS, n'est pas le tout premier. Chaque année, pendant les festivités de Noël, nous nous rassemblons pour remettre ces jouets aux enfants afin qu'ils puissent passer la Noël dans la joie, dans la sérénité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes venus avec toute l'équipe RDPS. Mongompoukou, c'est 19 quartiers. On ne peut pas aller dans tous les quartiers à la fois. Voilà pourquoi chaque année nous sélectionnons 5 quartiers. Et aujourd'hui, c'est le tour de Panga, Tshibala, Faubourg, Nord, Faubourg Sud et Siafoumou. Heureux de recevoir chacun en présent à l'occasion de la fête de la nativité, les enfants de Mongompoukou n'ont pas tari de mots à l'endroit de leur bienfaiteur. Je dis merci beaucoup à papa Lys Pambou pour ce qu'il nous a donné comme jouet. Merci pour lui parce que nous avons recevoir le jouet, il nous a sauvé parce que l'argent est devenu difficile. Juste après cette distribution des jouets, Lys Poitipambou a assisté aux côtés des autres cadres de la fédération RDPS Pointe Noire à la finale du tournoi de Mongompoukou Challenge Jean-Félix Tshikaya. Une rencontre qui a opposé Lisanga Yabana Faubourg à As Penga de Siafoumou, vainqueur du tournoi au terme d'une séance des tirs au but. Moi, je suis très satisfait dans la mesure où on s'était promis d'organiser cette finale. C'est vrai que l'émotion était bien présente. Le vénérable sénateur Defun lui-même a initié ce tournoi. Il a assisté à la demi-finale. Mais juste avant la finale, le bon Dieu l'a arraché de notre affection. Nous avons voulu honorer la mémoire de notre troisième vice-président, qui est le vénérable sénateur Jean-Félix Tshikaya. Ces deux activités rapprochent davantage le RDPS des populations de Mongompoukou et Lys Poitipambou marque positivement les esprits pour que le vivre ensemble ne soit pas qu'un vain slogan.